C'est la dernière fois que je suis venu ici, alors ouais, je pense qu'on était venu jouer un match avec France 98. Ouais, ça fait une bonne dizaine d'années que je suis pas venu par ici. RMC, le grand after en direct de Marseille, Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, le grand after est à Marseille. Bonsoir. À la veille du match retour de l'OM, demain soir à Manchester, match de Ligue des Champions évidemment dont on va parler, grand after en direct d'Euromed qui nous accueille ce soir jusqu'à minuit pour 3 heures de foot et de débat ensemble ici avec vous bien sûr qui êtes là dans cet amphithéâtre et avec vous qui nous écoutez au 32-16, grand after avec Daniel Riolo évidemment, qui est là, salut Daniel, avec Julien Cazard qui vient avec son plus grand radio de Paris Saint-Germain. Mais également un grand after avec des invités de marque ce soir, puisque Euromed travaille de très près avec Diane Barthes. Et nous avons reçu déjà il y a quelques semaines Jimmy Adjovi Boko et Bernard Lama qui sont là ce soir avec nous. On est ravis. Salut Jimmy. Salut. Salut Bernard. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors, vous travaillez de concert depuis quelques temps maintenant, je crois, entre Diane Barthes et Euromed. Rappelons, Jimmy, le but de Diane Barthes, vous menez des actions éducatives par le football, hein, pour schématiser tout ce que vous faites en Afrique, ici également, notamment avec Euromed. Jimmy, si tu veux dire un mot de cette collaboration, et ensuite on en parlera avec Jean-Philippe. Bah, l'association, il faut savoir qu'on a 3 salariés sur l'association. Et là, avec ses étudiants, ils travaillent sur le développement des projets, sur la rédaction des projets, ils travaillent même avec nous sur la réflexion. Ils recherchent éventuellement des sponsors, ils vous recherchent des sponsors. Des recherches de sponsors, du travail sur la communication, sur le management. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous vous servez du football pour donner du positif, finalement, avec Euromed également. Ouais, donc, c'est un message. Mais je crois que ce n'est pas seulement le football, c'est le sport en général. Moi, pendant très longtemps, je me suis un petit peu battu contre cette idée qui faisait qu'on ne parlait que des femmes, que des bijoux, que des voitures, que des ceci, que des cela. Il y a énormément de joueurs et de sportifs en général qui sont investis dans des associations, qui aident des associations à droite, à gauche, et ça, on n'en parle pas. Par contre, dès qu'un joueur va faire un écart, on va en parler. Il y a des opérations sensationnelles, très belles, qui se passent, initiées par des sportifs, pas seulement des footballeurs. Et je pense qu'il faut les mettre en avant aussi. Il faut rééquilibrer. Donc ça veut dire que le footballeur a un rôle social à jouer important, Jimmy. La chose la plus importante, c'est l'éducation. C'est qu'est-ce qu'on... Bernard en avait parlé il y a quelques temps. C'est ces jeunes qui aujourd'hui sont devenus professionnels et que pour certains on critique. Quelle formation ils ont pu avoir? Quelle éducation ils ont pu avoir? Et pendant longtemps, dans nos centres de formation, on a formé des footballeurs, c'est sûr. Mais on n'a jamais formé des hommes. Pour moi, la chose la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on apprend à ces jeunes-là, quelle éducation on leur donne. L'objectif est nous, au travers du projet qu'on a, c'est de faire du foot un moteur de l'éducation. L'objectif, ce n'est pas le foot, c'est l'éducation. Le foot n'est qu'un moyen. Et si nous, on arrive à faire ça au plus haut niveau, parce qu'on forme des sportifs de haut niveau, c'est comment on pourrait ne pas y arriver au niveau amateur, au plus bas niveau. Et par contre, il faut qu'on donne à nos éducateurs, à l'ensemble de ces clubs amateurs, les moyens de réaliser l'objectif qu'ils peuvent avoir. Merci messieurs, restez là. Dans quelques instants, l'after revient ici en direct de Euromed avec tout le monde qui reste autour de la table. Il y aura ensuite ce drôle de dame, il y aura le quiz, il y aura Julien Cazard. Évidemment, à tout de suite. Le programme StatSup, c'est de faire du stade un lieu de rencontre et d'apprentissage et de partage des savoirs. L'idée, c'est véritablement d'accueillir dans cette enceinte dans laquelle on prend énormément de plaisir. On a appris en tant que joueur,
On en prend aujourd'hui en tant que supporter, en tant que dirigeant, en tant que, qu'acteur du sport. Et l'idée, c'est vraiment de faire de ce stade un lieu de rencontre et de partage. Et au travers de ce programme, c'est vraiment découvrir un, tout un tas de, d'outils comme la carte touristique, comme l'audiovisuel et aussi vraiment un état d'esprit. L'état d'esprit pour nous est important, le savoir-être, savoir ce que, comment vous comportez, la solidarité, le travail, l'abnégation, toutes ces valeurs qui, qu'on retrouve dans le sport et qu'on tient vraiment à vous inculquer, à vous transmettre. Et Bernard Lama, Patrick Vira, Saersec, les amis fondateurs, c'est pour ça qu'on est là et c'est, on espère qu'on atteindra nos objectifs.